Aujourd'hui sur la route des JMJ, on s'est arrêté à Lourdes, comme vous pouvez le voir derrière nous avec la magnifique basilique. On s'arrête ici en autocar pour une réunion avec plus de 6000 Français. Quelques questions sur les JMJ aujourd'hui devant cette magnifique basilique. Est-ce qu'elle t'émeut cette basilique ? Oui, puis bon, Lourdes, c'est pas la première fois que je viens, mais de venir pour les JMJ avec d'autres JMJistes, c'est différent, ce qui permet de venir dans un même endroit, mais toujours avec une ambiance différente, c'est sympa. Qu'est-ce qui t'a amené aux JMJ ? D'abord, pourquoi pas les JMJ ? Et c'est tout simplement la réunion évidente pour les jeunes français, même du diocèse d'Avignon, quand on fait le PLVTT par exemple, on est déjà un bon noyau. Les JMJ paraissent évidents pour tous se réunir ensemble. Alors, c'est une vieille histoire. J'ai commencé les JMJ à 18 ans et je suis encore là. Et ce qui m'amène, c'est de vivre un moment particulier en église, en famille, avec la communauté. C'est ça que je suis venue chercher aussi au JMJ, c'est d'avoir ce mélange de tous les pays, de toutes les langues, de ne pas savoir exactement dans quelle langue on va parler avec les gens et d'arriver à communiquer, de pouvoir échanger, de se rendre compte que bah oui, telle personne qu'on vient juste de croiser ou qui fait la queue avec nous pour aller à tel ou tel endroit, elle est aussi là pour aller au JMJ et du coup on n'a pas le même contact que quand on se croise dans la rue chez soi et en fait on se parle pas ensemble. Est parti en hâte. Et qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Pour moi, ce Lava est parti en hâte, c'est pour dire voilà, on est joyeux, on est dans un esprit de cheminement aussi, et on y va pour s'amuser, se partir en hâte avec du bonheur, de la joie. On est aujourd'hui mercredi 26 juillet 2023. On est à Porto ici, il fait vachement beau d'ailleurs, avec le diocèse d'Avignon toujours. On est devant la cathédrale de Porto avec des magnifiques tuiles bleues du 18e siècle qui sont toutes uniques et qui sont du coup assez magnifiques. Les dessins sont un peu anciens certes du 18e, mais c'est quand même vachement beau. On a reçu aujourd'hui la grâce de trois dominicaines. En tout cas, deux sont passées avec nous, je vais vous expliquer. Deux dominicaines sont venues nous donner des grâces en vidéo qu'on va vous montrer. Hola, saludos desde aquí en la prejornada, en la diócesis de Oporto. Mi nombre es Meili Gómez y en este momento les envío un saludo y un mensaje muy importante. Jesús es un Dios de amor, un Dios vivo, un Dios de poder y les invito a todos ustedes a seguirle y a buscarle. Espero en esta jornada poder tener un encuentro con él nueva vez y nada, muchas gracias. Et donc qui ont été très gentils et qui nous ont d'ailleurs offert un pins. Alors attendez, si je vous retrouve le pins. Premier jour des JMJ, on a déjà des cadeaux, c'est ça qui est super. L'ambiance ici est assez incroyable. Dans le métro pour venir, on a chanté, on a dansé avec des Dominicains aussi et des Brésiliens, je crois. Hein, même si les Brésiliens, Elzario. Pour comprendre la blague, Elzario qui est derrière la caméra est lui-même brésilien. Voilà.
Salut, c'est Hugues et c'est parti pour le point histoire. Là, le plus haut clocher du Portugal, il a été créé donc, par le même architecte qui a recréé l'extérieur de la cathédrale de Porto, donc dans un style extrêmement baroque. Elle est haute de 76 mètres, donc c'est actuellement le plus haut clocher, comme je le disais, du Portugal. Et c'est à son époque la plus haute tour du Portugal qui a été créée. Au départ, il devait y en avoir deux, au final, il a pu en construire qu'une seule. Cet architecte italien, donc on peut l'observer, a eu un impact architectural assez monumental dans cette ville.